Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de Golden Boom, un jeu de perc pour 2 à 6 joueurs à partir de 6 ans et pour des parties d'environ 5 minutes. Le jeu est édité par Pink Monkey Games. L'objectif du jeu est de collecter un maximum de pépites en creusant dans les différentes mines d'or de Golden Boom. Le jeu dispose de 96 cartes recto verso de couleurs différentes, avec une face disposant d'une espèce de double flèche comme ceci, et une face disposant d'une quadruple flèche comme ceci. Cette face-là est utilisée pour le mode étendu de 2 à 6 joueurs, et l'autre face est utilisée pour 3 modes différents de 2 à 4 joueurs, le mode débutant, le mode normal et le mode profond. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Chaque couleur, à part la couleur verte, dispose de pépites d'or, une pépite d'or, deux pépites d'or ou trois pépites d'or, et enfin de trois cartes disposant d'une explosion. Les trois modes disponibles pour cette face de carte-là sont le mode débutant. Dans le mode débutant, on choisit quatre couleurs, dont forcément la couleur verte. Et on dispose les cartes afin de former un carré de 4 par 4. On recouvre ces cartes par une deuxième couleur. L'objectif est de mémoriser où se trouvent les explosions. Une troisième. Et enfin, la quatrième, qui est la dernière couche au-dessus. Dans tous les modes de jeu, c'est le vert qui sera la dernière couche. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'explosion sur la verte. Nous sommes à l'extérieur de la mine. Une fois que le jeu est installé et que tous les joueurs ont pu voir où se situent les explosions, le jeu peut démarrer. À son tour, chaque joueur choisit une mine ouverte pour y tenter d'y ramasser les pépites d'or. Et il commence en prenant une carte, puis s'il le souhaite, en continuant de creuser, puis s'il le souhaite, en continuant encore de creuser. Dans cet exemple, il n'y a pas eu d'explosion, toutes les pépites reviennent au joueur qui a creusé. Une fois que la mine a été entièrement creusée, c'est au tour du joueur suivant. Le joueur suivant commence à creuser, puis il continue de creuser, puis il continue, et il a récolté toutes ses cartes. C'est au tour du joueur suivant qui creuse, qui creuse, qui creuse, et malheureusement, il tombe sur une explosion. L'ensemble de ces découvertes de pépites sont perdues. Si je reprends cet exemple-là parce que je ne sais plus où sont les explosions, le joueur aurait pu creuser, creuser et décider de s'arrêter ici. Auquel cas, il bénéficiait de tout ce qu'il avait réussi à récupérer et c'était au joueur suivant de jouer. La partie se termine lorsque toutes les mines sont explosées ou épuisées. Chaque joueur compte alors le nombre de pépites qu'il a à sa disposition et celui qui en a le plus a gagné. Les autres modes sont très similaires. Le mode normal, on rajoute une cinquième couleur dans la pile. Le mode profond, on rajoute la sixième couleur dans la pile. En mode étendu, nous n'avons plus que 4 couleurs. En revanche, il y a 24 cartes de chaque, ce qui nous amène à un tableau de 4 cartes par 6 au lieu de 4 par 4. 6 explosions, multipliant ainsi la difficulté. Et voilà, vous savez tout maintenant sur Golden Boom.
J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner à la chaîne. Et maintenant, c'est à vous d'y jouer.